vraiment le côté humain, qui, le contact avec la personne qui va être différent, la façon de s'exprimer, la façon de, d'être, d'être côtoyé, qui est différente. Alors non, je pense pas que ma crédibilité est remise en cause. Après, ça m'est déjà arrivé qu'on soit perplexe au fait de tomber face à une femme, mais je pense pas que ma crédibilité soit remise en cause. Et puis bon, après, c'est plus par habitude que les gens s'y font, et plus que vraiment quelque chose d'être crédible ou non crédible. Quoi. Ensemble, c'est plutôt des très bonnes relations. Je pense que du coup, le fait d'être une femme joue plus en ma faveur, parce que le contact est différent. Il n'y a pas le côté rivalité, donc la rivalité s'exerce pas du tout, au contraire il y a plus une envie d'entraide que le côté rival. Moi j'ai une très bonne entente en général avec tout le monde, au niveau de mes collègues de bureau, et au contraire je trouve que c'est plus un avantage qu'un inconvénient. Oui, ils m'ont déjà fait des remarques, disons surtout au début, parce que j'étais un peu la première dans le domaine, en aliments bien sûr et dans la Drôme. Mais après, c'est vite rentré dans leurs habitudes, quoi. De la même façon qu'avec mes collègues de boulot, ça s'est passé plutôt très bien. Hein. C'était pas une vocation. Hein. Moi j'étais plus dans le monde agricole et plus précisément dans le cheval. Cette partie du transport me rapproche quand même pas mal du monde agricole. Donc c'est pour ça déjà que ça m'a plu d'aller dans cette partie-là. Et après c'était aussi. Mon père était chauffeur, donc j'appréciais partir avec lui. Il partait à la semaine, donc j'aimais bien partir avec lui. Et voilà, après de discussion en discussion, on en est arrivé à ce que ça me donne envie. Le travail en lui-même, je le trouve pas physique. Après, voilà, ça reste ponctuel, le lavage ou d'autres choses comme ça qui peuvent être un peu physiques, mais je pense que c'est à la portée de tous, quoi. Je pense le fait de vouloir bien faire. Mais des fois d'être soumis à des remarques qui pas forcément directement en rapport avec homme ou femme, enfin complètement désorienté, mais par exemple t'as perdu du temps ou quelque chose comme ça, ou en fait non t'as pas perdu du temps, t'as pas le choix de faire autrement, mais c'est plus ce style de remarque où ça m'est déjà arrivé un client en panne qui m'a fait la remarque que c'était à cette heure-là que j'arrivais alors que j'avais attendu l'aliment pendant 4 heures. C'était un peu dur au niveau moral parce que du coup on finit tard, on fait ce qu'on peut pour faire bien son travail, et ce style de remarque ça pèse un peu dans le moral, quoi.
en soi, mon métier, c'est de conduire. Et ben, chaque jour, il y a une petite différence, un moment agréable ou désagréable. Mais chaque jour est différent, le paysage n'est jamais le même. Voilà, moi j'aime le côté liberté. Alors je dirais que non, dans mon domaine. Dans mon domaine, je dirais même pas du tout. Après, le transport en lui-même, j'ai déjà été à être confrontée à des machos, mais vraiment. Mais dans mon domaine à moi, je dirais que non. Alors, oui et non. Je pense que si j'étais que chauffeur, ce serait faisable tout à fait simplement, parce que plein d'autres métiers ont des horaires aléatoires, difficiles. Et ça se passe très bien, donc je pense que, enfin très bien, ça c'est rentré dans les mœurs, quoi. Alors que je pense que ça reste mentalement un métier masculin, il y a un peu un a priori là-dessus. Mais sinon, non, je pense que c'est possible d'allier une famille et vie professionnelle.